Et quels sont les mots clés négatifs qui te viennent en tête en pensant au Covid? Les mots clés négatifs, c'était un peu long. Période, ça dure encore, ça finit pas. Ne pas sortir, pour pas voir mes potes, ne pas voyager, ne pas voir ma famille, des trucs comme ça. Et le fait d'être resté chez soi bloqué, à pas pouvoir faire d'autres choses. La mort, c'est très glauque, mais c'était vraiment en rapport. Contamination, mourir, tout ça. Fermeture et éloignement avec les proches. Distanciation sociale. Confinement. Solitude. Virus. Pandémie, nouvelle vague. Mort. Le masque, le gel. C'est nul, quoi. Ça m'a inquiété en fait, ça m'a vraiment fait peur le Covid, parce que pour moi c'était une pandémie, donc c'était quelque chose de catastrophique qui est arrivé, dont on parlait dans l'histoire de l'humanité. J'ai subi 4 fermetures et 4 réouvertures du coup durant cette période d'un an et demi, ce qui m'a quand même assez perturbé puisque j'avais tout lancé, les projets, lancé les inscriptions, fait des promesses à des jeunes qui n'ont pas pu être tenus. Et ça m'a quand même fait du mal. Nous, ça s'est passé en deux temps. Le tout premier confinement qu'il y a eu au tout début du Covid, la structure a été fermée. Si je ne dis pas de bêtises, on a eu le deuxième confinement où sur notre structure avec les adolescents, on a continué à créer du lien, mais via des visios. On fonctionne sur une structure, on passe notre temps à essayer de travailler sur le vivre ensemble. Et à côté de ça, tout est mis en place pour que justement on crée des séparations sur le vivre ensemble. Donc c'était... ça a été assez compliqué en termes de logistique et de practicité. Ils avaient quand même plus la pêche que nous. Mais il y a quand même un petit côté, une ambiance un peu triste qui s'est un peu estompée là depuis cet été, là depuis qu'on a pu faire de nouveau des sorties, prendre l'air. En fait, c'est le côté, je pense, tous les soirs devoir rentrer à telle heure, faire attention à plein de choses. C'était assez pesant donc. C'est un peu la chose violente de ma génération quoi, le Covid. Et quand je le vois avec les enfants et les masques et tout ça, voilà, c'est une crise difficile qu'on a. Ils pouvaient quasiment aller au collège qu'une semaine sur deux. Ils pouvaient plus faire du sport. Donc en fait, c'était un peu ici qu'ils se retrouvaient et c'était leur lieu à la fois de rencontre, à la fois de sport. On avait mis en place un terrain de volley à l'extérieur, voilà. Bah, l'espace jeunesse, bah, en fait, j'aimais bien. Donc oui, ça m'a manqué un peu, oui. Oui, parce que du coup, on pouvait plus voir Alexis. Et c'était assez pénible parce que du coup, le mercredi, je faisais pas grand-chose. Comme il n'y avait pas beaucoup de cours, j'étais obligée de tout le temps travailler. Ça me faisait pas vraiment une pause. J'étais pas encore là, à l'espace jeunesse. Mais je pense que si j'étais là, ça m'aurait manqué car tu as du sport, tu peux voir des copains ou tu peux t'ancrer. Donc je pense que ça m'aurait manqué. Oui, ça me permettait de voir les potes, ça m'occupait surtout l'après-midi. Mais sinon, ça allait, parce que la plupart des activités, je pouvais, en quelque sorte, déjà les faire chez moi, parce que j'avais assez d'espace. Ah oui, il y en a plus. Ouais. Oh, alors. Tiens, vas-y, c'est pas là. Roxane. Mets sur un assiette, si tu veux. C'est bien, là, en vrai. C'est pas beau, là. Oh, attends, j'ai une idée. Il y a trop de rouge. Mais oui, ça va être trop rouge, après. Je vais mettre... Attends, non, j'ai une idée. On a pris ce tableau.
pour représenter ce qu'on a, les choses le négatives noir, pour les Covid. C'est surtout pour la colère, la peur, la tristesse. Le rouge, c'était surtout l'interdiction, enfin ma colère aussi. Après le vert, c'était pour représenter le Covid un peu, le parce virus, qu'on en représente tout en vert. Le rouge, les microbes, les virus, le, les bactéries. Vas-y. Le blanc et le bleu, c'est pour les masques et ouais, les masques. Après, on a fait le noir pour la galaxie. Enfin, on a voulu faire une galaxie pour le fond. Ouais, on a fait aussi des mains rouges, c'est à peu près mains... Interdites. Ouais, interdites. Il y avait une main blanc, c'est pour le masque. Une main... Bleu, blanc, noir. Oui. Et la main, elle était un peu en bas parce que c'était pour dire que le masque était souvent baissé. Ouais. Oh, la main, elle dépasse. Regarde, c'est bien. On a mis aussi du violet pour représenter un peu la galaxie. Mais le violet fait surtout penser à, en même temps, de la joie, mais de la négativité en même temps, mais plus de négativité. Donc, de la joie négative, quoi. Ouais. C'est pas si ça se dit, mais ouais. Le plus difficile à vivre, peut-être... sans trop voir mes amis, ça a été un peu long sans eux, mais après, moi, non, ça allait, sinon. C'était surtout le masque et le confinement. Les cours en distanciel, c'était pas très facile parce qu'il n'y avait pas les explications, t'avais plus de difficultés à poser des questions et tu devais essayer de comprendre tout seul et c'était pas très facile à suivre. Des fois, c'était difficile et il n'y avait pas l'aide de la maîtresse ou d'un camarade. Le plus difficile, je pense que c'est les sports. Je pouvais pas sortir faire de la trottinette, voir mes potes. Je voyais pas trop, pas souvent la famille du coup et les amis. C'était d'être éloigné de la famille, des amis. C'était quand même parfois mentalement un peu difficile. Il y avait pendant le confinement, c'était assez compliqué de travailler à distance parce que s'il y avait un truc qu'on comprenait pas, même si on envoyait un mail à la prof, etc., fallait quand même attendre, c'était pas sûr qu'elle le voie, c'était vraiment pas simple. Puis c'était pas fait pareil étant donné qu'il n'y avait pas une récréation définie, donc fallait s'organiser, des fois c'était assez dur. C'était un petit peu compliqué les cours à distance, mais sinon ça allait. Après, c'était un peu pénible de pas voir les copains et de pas pouvoir jouer ensemble. C'était un peu de voir les amis quand même parce que plein de choses qu'on pouvait pas discuter, on peut pas tout faire par téléphone ou par visioconférence ou etc. Du coup de se voir en vrai c'était quand même beaucoup mieux. Ma famille surtout parce que je pouvais pas trop la voir, aussi mes amis et l'école aussi parce que j'aime bien l'école. Ce qui m'a le plus manqué, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut et tout. Il y avait toujours des restrictions. Il y avait aussi le confinement, faire du télétravail. Ce qui m'a manqué, c'était l'école. De voir mes amis, pouvoir sortir. Mes amis et pouvoir sortir. C'était quand même un changement parce que d'habitude à l'école je les vois presque tous les jours. On est tout le temps ensemble dans la récréation. T'es en train de faire un dégradé incroyable. Il n'y a pas spécialement d'émotion particulière qui s'est fait ressentir pendant la pandémie. Mis à part que oui, j'étais très fatiguée des fois, mais sinon ça allait. J'étais inquiétée, fatiguée, je m'ennuyais et j'étais un peu plus susceptible. Plutôt énervée. C'était assez spécial étant donné que c'est quand même la première fois qu'il y a quelque chose comme ça. Faut faire attention avec les gestes barrières, etc. Faut pas oublier, faut pas négliger non plus.
y a plein de choses qu'on peut plus faire et qu'il faudra attendre la fin du Covid. Bon, au début, c'était un peu... Ouais, il n'y a pas école, il n'y a pas le collège, il n'y a pas le machin, il n'y a pas le lycée. C'est génial, je vais en profiter. Et puis après, à force d'être un peu isolé à cause de ça aussi, je crois que les confinements, ça les... Enfin, moi, c'est ce qui m'est revenu. Après, je ne peux pas parler pour tout le monde en ayant dit la vérité, mais... Les confinements, après, ça les a gonflés un peu, quoi. Parce qu'ils voulaient être avec tout le monde, ils voulaient être avec les gens, ils voulaient profiter, quoi. Voilà, quoi. Être dans la vraie vie. Moi, globalement, de ce que j'en vois... et de ce qu'aussi j'ai vécu d'un point de vue, que ce soit professionnellement ou personnel. Non, je ne vois aucun point positif à la période passée. Je me suis ennuyée. Je me sentais un peu seule, du coup. Et... fatiguée et... J'étais un peu nerveuse parce que je savais pas comment allait se passer le confinement ou les choses comme ça. Et donc j'étais un peu triste de plus pouvoir sortir. Ça allait, mais j'avais quand même un peu peur que j'attrape le Covid ou que ma famille l'attrape et que je l'ai. C'est juste que moi, ça m'a beaucoup inquiétée. J'avais peur de le choper et de mourir. Même mes amis ou ma famille. Et j'étais un petit peu triste à l'idée de ne pas voir mes amis. Enfin, et tout avec le masque, c'était énervant, surtout l'été. Je me suis sentie plutôt mal parce que je n'aimais pas trop voir les infos, etc. Ça me faisait un peu stresser. Parce que j'avais peur, de, par exemple, si j'étais contaminée, de contaminer mes proches. Un petit peu isolé, mais de l'autre côté, ça permet de retrouver sa famille. J'ai pas été spécialement heureuse ou malheureuse, mais je me suis surtout beaucoup ennuyée. Je me suis plutôt sentie à l'aise, ça m'allait bien, le rythme un peu de rester chez moi. Ça me faisait du repos et ça a fait une pause quand même pour cette première année du lycée. Un peu stressée, mais pas tellement. Je suis plus un peu ennuyée pendant le confinement, on pouvait pas faire grand chose. Je me suis bien ennuyée, oui, je me suis bien ennuyée, mais sinon ça allait. Take 3. Disons que l'école à la maison, c'était plus ou moins bien parfois. Bon, au moins, je voyais pas mes profs, mais disons que c'était difficile à faire et tout parce qu'on n'avait pas de caméra, donc bon. Ce qui était plus difficile, c'est surtout l'ordinateur. On n'en avait qu'un qui marchait très très bien et on devait se le partager à deux. Mais du coup, sinon, ça allait parce qu'on faisait nos devoirs. Il y en a un qui faisait l'après-midi, un qui faisait le matin, donc on s'organisait. C'était assez compliqué parce que on se partageait tous la connexion internet et on avait tous beaucoup de travail et en plus on travaillait tous à peu près aux mêmes heures. Pour certains trucs, je préfère l'école à l'école. Pour d'autres, je préfère l'école à la maison parce que si j'arrive pas à un truc, je peux demander à mes parents, mais bon. Emprunter des trucs à la maison, je trouvais que c'était un peu dur parce que tu savais pas trop comment apprendre. Genre, c'était tes parents, ils t'expliquaient un peu mal. C'est pas vraiment qu'ils t'expliquaient un peu mal, mais plutôt, genre, un peu arrivaient pas trop à expliquer et tout. C'était assez compliqué de passer d'une réunion à l'autre et de pas voir les profs ni d'entendre bien tout le monde avec tout le monde qui parle plus ou moins en même temps. On comprenait pas très bien. Ça va, c'était facile.
C'était mieux qu'en semaine, on doit se lever tôt, et après quand on rentre, on est fatigué. Enfin, me sentir chez moi, dans ma chambre, je trouvais pas ça désagréable, enfin, c'était plutôt pas mal. Ça a été compliqué d'arriver à diagnostiquer et mettre aussi ce qui est fait là, c'est-à-dire des temps un peu d'échange et de débat, parce que justement, je considérais que comme il y en avait trop qui étaient faits autour, je pense que c'est le contraire, c'est qu'il leur fallait vraiment un endroit d'oxygénation et où, limite, je passe le portail, sur la structure, le Covid n'existe plus. J'ai ouvert une plateforme qui s'appelle Discord, donc une plateforme de jeux vidéo à la base, où je me suis du coup un petit peu formé dessus parce que on avait déjà cette plateforme avec les autres espaces jeunesse. Et du coup j'ai lancé ça avec les jeunes parce que j'ai vu que la plupart en l'avaient. Discord, Instagram, et du coup on essaie de garder le lien, garder contact par le biais de ces plateformes. On s'est renouvelé, on s'est adapté à la situation. Donc finalement, on se rend compte qu'on a mis en place des changements dus au Covid, mais qu'on garde même avec une situation qui revient petit à petit un peu plus à la normale. Je crois qu'on a organisé un concours de gâteaux. Ça, c'était un bon souvenir de tous se retrouver. Alors nous, on était sur la structure, sur la cuisine de la structure, mais après de retrouver tous les jeunes dans leur cuisine, avec les parents à côté et tout, enfin un peu plus loin dans la pièce, mais pas toujours trop loin les parents, c'était rigolo, on a passé un bon moment là sur cette matinée, c'était sympa. Dès qu'on avait l'information, on revoyait notre façon de faire, d'animer, en intérieur les masques, quand on est à l'extérieur avec ou sans masque, on a fait un petit peu comme on a pu, et c'était encore le mot adaptation qui revient régulièrement, mais je pense que ça fait aussi partie du métier d'animateur. Ce que j'ai bien aimé faire pendant la période Covid, c'était le badminton. J'ai fait badminton, la pétanque. Moi, j'ai découvert plein de nouveaux trucs. Je regardais l'atelier, je lisais des mangas. Pendant les week-ends, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, donc ça me fait passer un peu de temps. Je vais souvent dehors pour jouer avec les copains ou sinon il y a le club ado. Pendant le confinement, mes hobbies c'était de prendre mon vélo, de faire les tours à vélo avec Victor, mon ami. À part ça, à la maison, je joue un peu aux jeux vidéo pour me divertir. Les jeunes, je pense qu'ils se sont bien adaptés pour la plupart parce qu'aujourd'hui, on a quand même les réseaux sociaux, Internet, les jeux vidéo, tout ce genre de choses. Et puis après, ici dans le village, il y a de l'espace. C'est pas comme en ville où on est dans des immeubles et tout ça. Ici, les jeunes, ils ont toute la garrigue, toute la nature, toutes les rues sans qu'il y ait forcément des gens collés. Donc, ils pouvaient quand même être beaucoup à l'extérieur. Mais je me suis pas fait de soucis pour leur bien-être, quoi. Du coup, j'allais souvent faire des balades à vélo tout seul. Je jouais aux jeux vidéo. Je regardais des films et après, je faisais mes devoirs, quoi. Je passais du temps avec ma famille en faisant des jeux de société ou des choses comme ça. Je jouais avec mon frère, on faisait quelques randonnées avec des amis de mes parents. Mais sinon, on pouvait pas faire beaucoup de choses parce que pas mal de choses étaient fermées. Parfois je dessinais, parfois je faisais des origami qui m'ont beaucoup entraîné avec mes mains. Je faisais des Lego et je jouais un peu aux jeux vidéo. Je faisais pas d'activité sportive et je voyais pas mes amis du club, alors c'était un petit peu dur. Je faisais mes devoirs surtout. Et après, parfois l'après-midi, je regardais un petit film et tout. Mais j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'il n'y avait pas Paul Jeunesse. Je passais un petit peu de temps devant la play, mais la plupart du temps j'étais dans ma chambre en train de jouer au Lego. Déjà les devoirs et l'école ça occupait bien une partie de la journée. La plupart du temps c'était l'après-midi. Mais sinon le matin, vu que c'était le confinement, j'en profitais, grasse matinée, bon déjeuner. Et le soir, je jouais aux jeux vidéo, je faisais dessiner. Des activités, quoi, et c'était quasiment tout le temps pareil en fait. Tous les week-ends, quand mes parents travaillaient pas et quand nous aussi on travaillait pas avec mes frères, on s'occupait de la maison, on faisait plein d'activités et tout, on faisait du bricolage un peu.
ça va peut-être faire bizarre, mais j'aime pas trop sortir. Enfin si, des fois dans des activités un peu spéciales, mais tout ce qui va être randonnée et tout, je suis pas très fan. Et j'étais contente de pouvoir rester à la maison tous les jours quasiment pendant le confinement, à profiter. Alors ça, il y avait du travail, mais quand même profiter, par exemple faire des jeux de société, dessiner des jeux vidéo hein, aussi. Jouer avec mon petit frère, etc., etc. Vas-y, je vais faire des trucs marrants. Allez, on aurait dû du café. Oh, les Zumba café. Eh ben, on va pas. Eh bien, ça a été les plus courageux, les jeunes, pour moi. Et ils se sont pas focalisés, comme nous, les adultes, un petit peu trop là-dessus, à regarder les informations, à savoir quel scientifique disait quoi. Ils ont pris les choses comme la vie vient, quoi, en fait. Hein. Moi, j'ai été très étonné, en fait, de voir la sagesse et le courage des jeunes pour affronter ça. Et ça m'a vraiment fait du bien à moi. De me dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre de eux encore, quoi, parce qu'on les considère souvent comme moins capables de comprendre, en fait, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'ils comprennent mieux que les adultes, quoi. Bah, les jeunes, le côté positif, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'était on se lève un peu plus tard, on a la maison, leurs mots, à proprement parler, on glandouille. Mais je pense qu'il y a quand même un gros côté. Je pense qu'ils s'en souviendront. T'en souviendront et ça les a marqués. Ce que j'ai préféré, c'est que le fait qu'on pouvait s'organiser tout seul et gérer le temps de travail et le reste, on pouvait s'amuser ou faire ce qu'on voulait, ce qui évitait d'attendre trop longtemps parce que si tu avais fini ton truc avant ou que tu avais compris, tu devais attendre les autres. Là, tu n'avais pas besoin d'attendre, tu comprenais toi-même et tu te gérais comme tu pouvais. Les cours à distance, c'était trop rigolo. Le prof, il parlait sans arrêt, les autres, ils s'amusaient à dessiner sur l'écran. Ensuite, on pouvait lever la main quand on voulait en cliquant sur le bouton. Mon père, il était à côté, il prenait le contrôle de leur ordi, il cliquait de partout, c'était rigolo. Bah, je dirais qu'il y avait, au lieu de 7 heures de travail, 4 heures de travail, et que je pouvais jouer un peu plus aux jeux vidéo. Bah, j'ai un peu tout aimé parce que ça a permis de me découvrir un peu pour voir si j'étais fort ou... On pouvait passer plus de temps, par exemple, en famille. Et aussi que du coup j'avais plus de temps pour par exemple jouer à mes jeux vidéo. J'ai préféré être plus chez moi, ne pas avoir mal à la tête quand je rentre de l'école, vu qu'avant j'étais à l'école, et après c'est tout. Pouvoir mieux dormir le matin et pouvoir plus regarder la télé un peu. Le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de travail. Et au niveau des jeunes, bah ouais, je crois que ça leur a fait du bien parce que quand ils sont revenus au club ado, ils étaient très contents de retrouver leurs copains, d'être avec leurs copains et la valeur que ça avait d'être présent avec eux. Parce que même s'ils continuaient à les voir ou à parler avec un casque et un micro pour les jeux ou ce genre de choses, ils se sont rendus compte quand même que c'était beaucoup, beaucoup mieux d'être présent. Donc je pense qu'en plus c'est une génération beaucoup, beaucoup internet, beaucoup réseaux sociaux, beaucoup jeux vidéo... Et tout ça, et du coup, ça leur a certainement fait prendre conscience qu'on n'est pas heureux à rester derrière un écran, et que le vrai bonheur, c'est d'être ensemble. Bonne chance. Merci. Voilà. C'était bien parce que j'étais contente de revoir mes amis, tout le monde, ça me faisait du bien. J'étais joyeux. Déjà, on s'est fait un gros câlin puisqu'on était hyper contentes. Parce que c'est dur de rester longtemps sans ses meilleurs amis ou ses amis parce que t'as l'habitude de partager, de faire des choses avec eux. Et du coup, c'est pas habituel de rester seule comme ça, à avoir presque personne. C'était cool, après on les reconnaissait pas trop avec le masque et tout, c'était bizarre, mais ça faisait plaisir. Ça c'est du bien, on pouvait enfin revoir ses proches, ses amis, c'était bien. Bah ça a été super parce que du coup on a pu rejouer ensemble, se revoir pour de vrai et j'ai vu que mon copain Louis, bah il avait beaucoup grandi et du coup bah il faisait une tête de plus que moi. Ça a été formidable, on pouvait tous dire comment ça s'était passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a préféré, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on a détesté, c'était vraiment bien. J'étais très content car je pouvais m'amuser enfin avec eux, je pouvais leur dire tous mes secrets, tout ce que j'ai, voilà.
Et c'était beaucoup mieux de les voir en réel et on pouvait s'amuser mieux, c'était mieux. Bah, ça m'a fait énormément de bien de les voir. Ils ont pu me raconter des anecdotes. Franchement, j'étais très contente de les voir. Mais faut que tu lui mettes de l'eau. Ah, de l'eau? Oui. Oh, on dirait de la vinaigrette. Ah, de l'eau. Non, mais il coule, moi. Ah. Mais non, mais... Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un peut me mettre du bleu ou pas? S'il vous plaît. Sinon, on fait des petits traits, regardez. De l'abstrait. Ce tableau, il est censé représenter la joie. Hein. Ouais. Donc, après... Si, ça représente un peu quand même. On a mis du jaune pour faire la joie, le smiley. On a mis aussi du bleu pour... On a mis du bleu pour la paix. L'océan. L'océan. On a mis aussi du violet pour aussi faire comme une galaxie mais plus joyeuse. On a mis aussi du noir pour représenter la tristesse, mais en même temps, on n'a pas mis beaucoup de noir parce que c'est pas encore le virus. Le virus, il n'est pas encore totalement parti, on le sait. Quand la pandémie sera terminée, avec ma mère, comme mes parents se sont séparés depuis quelques temps, on a prévu d'aller au Japon. On fait des économies. J'aimerais faire quelque chose avec mes copains, hein, premièrement. Puis, faut savoir, je suis niçoise, donc j'aimerais repasser à Nice pour voir mes anciens copains, etc. Voilà. Bah, j'imaginais que franchement, j'allais être un peu plus grand et que franchement, j'allais être libérée. Voyager, aller voir mes proches. On peut encore les voir, mais pas trop. Et après, c'est ne plus porter les masques. Et aussi enlever le masque, les déchirer, voilà. Partir en voyage, c'est mon tonton et ma tata qui habitent en Angleterre. Faire la fête avec mes copains. Pouvoir reprendre les activités et surtout voir mes amis. De faire autre chose que du télétravail, parce qu'on voyait pas les profs, les autres et tout. De revoir tous mes profs, mes grands-parents, mes tontons, mes tatas, mes copains. J'aimerais, tu vois, plus sortir, genre faire des trampolines parcs, laser games, cinéma. Je serais contente que tout s'arrête, parce que au moins on aurait pu les confinements, les couvre-feux, les masques. Je m'imaginais pas vraiment malade ou pas bien, mais juste contente et normale. Enfin, quand même avoir traversé quelque chose d'énervant. Ah oui, aussi, je ferai une grande fête avec tous mes amis sans le masque. Nous avons eu l'idée de réaliser ce film sur le Covid avec les jeunes et les animateurs et les animatrices du territoire du Grand Puy-Saint-Loup parce qu'il nous semble très important de leur laisser la parole et qu'ils puissent s'exprimer à ce sujet. Parce que nous aussi, nous avons vécu le Covid en Allemagne, nous voulions mieux comprendre et connaître les jeunes pendant notre volontariat en France et cela nous a permis de nous rendre compte que nous étions tous et toutes dans la même situation. Peu importe le pays et l'âge. Et pour moi, personnellement, la période de confinement n'était pas la pire parce que j'aime bien naturellement rester chez moi, tranquille, mais car l'école était fermée, j'ai passé beaucoup de temps avec mon petit frère et mes parents et ça a été parfois difficile pour moi et pour tout le monde parce que ça a créé du stress et des fatigues, mais on a eu aussi des bons moments ensemble parce qu'on a passé plus de temps ensemble. Mais ce que je trouve vraiment frustrant et dommage et de ne plus pouvoir voir mes amis et plus pouvoir faire les fêtes. Surtout à mon âge où faire la fête et rencontrer de nouvelles personnes est très important. Pour moi, la nouvelle situation avec Covid, ce n'était pas vraiment facile. Quand le Covid a commencé, j'ai passé mon bac et la dernière année du lycée et la plupart des personnes étaient très inquiètes. Et de passer ces examens dans cette situation, c'était pas vraiment facile. Et oui, tous les événements cool qui permettent de fêter son bac et la dernière année du lycée ont été, annulés. Et c'était pas vraiment facile pour moi, pour les élèves. Et j'ai pas vraiment profité de fêter mon bac et de voyager, de faire des activités avec mes amis. Oui, parce que tout était bloqué. Mais nous sommes très heureuses d'être en France et d'avoir eu l'occasion de faire ce volontariat, même si le Covid était encore là. Mais nous avons enfin pu voyager, rencontrer de nouvelles personnes, aller à des concerts, faire la fête et
travailler avec les jeunes et vivre presque normalement. Et nous voulions dire un grand merci à toutes les personnes et en particulier aux jeunes qui se participaient à ce projet. Et également merci à l'association Bouillon Cube et au service jeunesse de la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup qu'on peut réaliser ce film, ce court-métrage avec les jeunes. Et un grand, grand merci à Louis et Johan qui nous ont formés et aidés au montage de ce projet. Et sans vous, nous n'aurions pas pu le rendre possible. Et tu as aussi des mots positifs ? Positifs ? Non, pas trop. Oui, comme école à la maison, ça m'a beaucoup soulagée avoir ma mère. C'était un petit peu rigolo, n'empêche. La fermeture pour l'école, parce que ça m'a pas vraiment gênée. Plus de sorties. J'ai mieux découvert ce qu'il y avait autour de moi, donc découverte. Bah non, parce que Covid, c'est pas trop positif. Donc... C'est ne pas avoir de devoir. Après, c'est que ça, vu qu'après, c'était que du négatif. La Terre se fait moins polluer quand on est en confinement. Il y a même un endroit dans le monde où il y a des animaux, ils sont cassés dans les villes tellement...